je voulais juste un petit détail. Un groupe, ouais. Quitter le groupe. Salut tout le monde, avec vous Master Kingdom, Walter Matos, qui vous voulez. On est ici pour tester Forza Motorsport 7 démo. On commence directement, on va voir ce que ça donne. Je vous dis déjà, avec les voitures, je suis pas le pro de la cité aussi. Ça passe. Avec mais, Forza Horizon 3, je peux dire que c'est mieux quand même. Si vous voulez que je fasse des vidéos de Forza Horizon 3 que j'ai, c'est le démo Forza Motorsport 7 démo. Ça, c'est la démo. Mais Forza Horizon 3, si vous voulez que je fasse des vidéos, vous choisissez. Ok, merci. Et on passe avec la passer à la longue course. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Ah, ça, je m'entendais vraiment pas. Waouh! Ok, on a la 2018 Porsche 911 GT2 RS. Ça, c'est les Hit Seat 5. Je crois que c'est les courses normales. On a. ça m'étonne vraiment. Battle of the Behemoths 2015 Mercedes-Benz Z24 Tank Pulse L24 Racing Truck. Ça, je m'attendais vraiment pas. Course de camion, je m'attendais vraiment pas. Ouais, je vous jure, je m'attendais pas. Et on a la Outlast The Storm. C'est avec une Nissan 2015 Hashtag 23 Nismo Motul AUTECH GTR. Donc, je crois qu'on va commencer. Non, on a ces trois là. On va commencer par ordre du gauche à droite. Ok, la conductrice qui conduit celle là, c'est une meuf. Je veux pas être sexiste, mais on dit, je veux pas dire genre, oh non, les meufs conduisent pas. Non, je dis ça parce qu'on est une meuf. Ok, et c'est une meuf. Ouais, c'est une meuf. Bon, j'espère que ça sera bien. Et la musique, bon, je vais me prendre des putains de copyright, mais pas grave. Ah, ok, on a le choix. Ah, mais ça se casse une meuf, donc c'est pas grave ça. Ah, bah, ça y a ça. Ça, c'est drôle ça. Les fentes des filles de fuite. Attends, c'est police à moto. Je comprends pas trop la logique avec la voiture. On a les fonts des 50s. Ça, c'est motard. Ça, c'est Xbox. Équipe Forza vers Citroën. Xbox, vraiment, pour moi, c'est Xbox, simplement. Ça, c'est la Michelle Muller. La Dubai. Pro. Là, la Pro. Là. Pro Rata. Blanc. Et on a course Vantage Gris. Ça fait vraiment penser à les années 80, mais moins. Je crois, c'est ça qui m'a fait rigoler, c'est là, mais c'est ça qui m'a donné genre direct, c'est là. Genre, fixe, donc j'ai aimé ça. Donc chargement, aide de pilotage. Difficulté à dévater. J'ai rien touché. Ouais, ça sert, j'ai rien touché, ok. Parce que voilà. J'ai rien touché, je vais laisser comme c'est, ok. Donc. Ça, c'est le manque de sommeil. Où se situe cette course? À Dubaï. Et c'est un circuit complet. Ça fait plaisir, surtout avec une Porsche comme ça. La qualité est vraiment bonne. Ça, je vous dis, elle est vraiment magnifique, la qualité. La voiture, le personnage en lui aussi, il est magnifique. Je vous dis, la qualité est bien. Par contre, on va pas. Ça va prendre du meilleur aussi. Ah voilà. Donc bah putain, je vois déjà la voiture tout détruite. Arrivé à lieu Dubaï circuit complet. On a une même les autres personnes, ils ont des voitures largement mieux. Attends, je vois une T20, je crois que je vois une T20 ici. Pas grave. On va commencer pour faire plaisir. Putain, mais le véhicule en lui, il est déjà mieux. Hein. Magnifique déjà. Oh mais tu. Ouais, moi je fais tout le temps ça, je sais pas pourquoi.
Ouais, voilà, je vous avais dit. Bon, c'est pas grave, tu étais à côté de moi, elle a tapé aussi. Wow. Ah, c'est plus fort, hein. Comparé à Horizon 3, c'est plus fort. Oh oui, c'est fort, fort. Pour genre mettre les pneus dans la pédale, c'est réaliste, hein, c'est fort, fort. Ah putain, ça se voit, je suis nul. Je suis pas du tout habitué, mais c'est un test aussi, je m'en bats les couilles, ferme votre gueule. Mais ici, je sens que c'est plus fort que Horizon 3. Je sens, c'est vraiment réaliste, hein. On sent que le pied, il prend du temps. Genre accélérer et tout, ça se voit, ça prend du temps. Et pour tous les fans de Forza, je suis vraiment désolé. M'insultez pas, mais voilà, je suis pas très fort avec les voitures. Je suis juste là pour avoir des vues en même temps. Et pour pouvoir commencer, parce que j'ai Forza Horizon 3. Et ça, vraiment, c'est d'art. Voilà, ça, je vais pas le faire, ça. Voilà, vous savez. Ouais, oh, oh putain. Je peux pas que vous on va faire ça. Ah, bah ouais, bah oui, je suis nul, je vous avais dit, merde. C'est quand même dur, c'est dur. Par contre, moi, je sais pas vous, mais moi je sens. Oh putain! Le réalisme de la course, il est là, il est présent, vraiment présent, mais d'une manière. Pour mettre le pied dans la pédale, virer, c'est. Moi je le sens en tout cas, je le sens et c'est dur. Ah voilà, ça serait moche. C'est combien? Oh putain, attends, j'allais. Hop! J'allais regarder, c'était combien de tours à celui-là. Ah voilà, c'était moche pour moi. Oh ouais, c'était moche. Oh bah putain, c'est moche de manière. Par contre, les graphiques et tout ça, ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est sûr, ils sont magnifiques, magnifiques. Hein. Je vais à la va-vite, moi. Oh non. Ah bah ah. Oh bah non, ah non, 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 j'en récupère, j'en sais plus. Le pied mais genre le pied accéléré et tout, on le sent.
Oh oui, je suis premier. Ah, je m'attendais pas, enfin, je m'attendais vraiment pas du tout d'être premier. Ah bah putain, c'est pas mal. On sent carrément la pédale. Oh. La qualité, elle est magnifique, mais par contre, le temps qu'elle met pour la pédale et tout ça. Je le fais pas dire ça. Par contre, les graphismes, ça, ils sont magnifiques. Et 2017, les best racing. Enfin, moi je suis nul, moi. Oui, là, il me fait de la pub et tout ça. Cool. J'aime bien ça, mais moi je vais pas l'acheter. J'ai jamais dit que je l'ai acheté, ouais. Continuer. C'est toi, on va avec la 2015 Mercedes-Benz. Ça, j'ai jamais connu. Non, vraiment, j'ai jamais. On va commencer. J'ai jamais conduit un camion comme genre voiture de course. Ah! Oh, c'est camion allemand. Donc, on repart pour les skins. Et c'est une femme aussi? Ah, bah, il n'y avait pas une femme, hein. Bon, d'accord. Donc, on a équipe des stands. Nickel Chrome. Soit ça va, c'est d'or. Équipe Forza Rose. Il change cette fois. Voilà, Grand Tourisme. Autodrome International del Mugello. Ouais, j'aime surtout le casque. Hein. Prorata noir. Et la course Vantage blanc. J'ai bien aimé celui-là. Mais le casque, il m'étonne. Ah, le casque, je sais pas ce qu'il y a le casque. Donc on attendra une demi-heure pour charger. Mais aussi, vu comme il y a le jeu, les graphismes et tout ça, ils sont magnifiques. Ça, c'est un putain de point. Pour les pédales, c'est pas ça. Quand tu accélères, on sent, vraiment, on le sent. Quand tu accélères, il y a la pédale qui faut que tu l'enfonce bien fond et tout ça. On le sent. Vous, je savais pas, mais on le sent vraiment. Il y a quoi aussi? Pour freiner, ça c'est normal. Pour tourner, ça c'est un peu normal. Attends, je vais voir avec les camions, ça sera un peu plus dur. Hein. Allez. C'est la première fois que je fais ça, donc... Oh, j'aime bien celui-là qui est à droite, là. Ouais, magnifique. Ça se voit, c'est mon type de course, ça. Hein. Waouh! Ça se voit, c'est mon type de course, mais qui me fait rager en tout cas. Non, salut toi. Regarde comme il force! Regarde comme il force, mais il force d'une manière en fait, mais. Waouh! J'ai 11 sur 24, c'est pas mal. Je suis pas sûr que tu es sur la droite. Ah, est-ce que je le content? Oh putain, il va me forcer. Oui, ça va. Désolé mon pote, mais c'est pas un problème. Oh putain, j'ai passé avec la chatte là. Ça va avec le camion, c'est encore mieux quand même. Avec le camion, c'est plus facile pour moi en tout cas. Avec la Porsche, c'était plus dur, hein. Ça c'est sûr. Quoi. C'est sûr.
dommage, je comprends pas plus. Et là pendant un moment j'ai flippé, j'ai regardé, j'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé une ombre. Putain, j'ai flippé. Bon, continuons pour le commentaire de ce jeu là. Bon, Forza, c'est pas de ce jeu, c'est Forza. Mode camion, c'est vraiment ça, pour moi ça me va vraiment. C'est quand même, c'était quand même mieux que la course de la Porsche. J'ai quand même plus aimé plus. Et ici je trouve que c'est mieux et tout ça. Genre, je sais pas comment expliquer. Quand c'est pour accélérer tout ça, c'est pas comme la Porsche. La Porsche, il faut bien mettre la pédale, voilà. Mettre le pied à fond de la pédale et tout ça. Et il faut ça, on le sent. Après, pour les camions, ça, le camion, c'est vite fait, hein, c'est facile. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin de freiner, ça freine tout seul. Ça, c'est un point qui est bien, et je crois que ça existait déjà dans Forza Motorsport 6 et tout ça, ça existait, je crois que c'était déjà ça. Ah oui, mais aussi, je suis con, moi. J'ai l'aide au conducteur et tout ça, au pilote, je sais pas quoi là. Je suis con aussi. Ah ouais, fini la course. Franchement, j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Par contre, l'état de mon camion, il est moche. Ça, je peux le dire qu'il est moche. Hein. L'état de mon camion, il est moche. Mais à part ça, ouais, j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé. J'ai quand même préféré que, à part, j'ai quand même préféré celle-là que la Porsche. Ça, c'était les personnes qui ont mieux vu tout ça. La course avec la Porsche, non, j'ai pas trop kiffé, non. Ça va, c'est avec le camion, c'est toujours mieux. Non, on va pas acheter, on va rien acheter. Et parti pour la troisième et dernière course. Je suis un peu triste. J'ai quand même aimé, mais je suis triste. On part avec dans la dernière course et ça sera la Outlast de Storm 2015 Nissan 23 Nismo Module AUTECHGTR. Ouh, ben ça se voit, même lui il est chaud. Allez, mon pote, hein, t'es chaud. Putain, la caisse elle est magnifique, hein. Waouh, la caisse, ah ouais, la caisse est magnifique. Bon, alors, je repars avec les skins. Donc, c'est là, on a Astronaute Moderne. J'ai jamais vu ça sur Forza. Authenticité. Bon, ça, j'aime bien. Équipe Forza Bleu Canard. Bon, ça, on parle pas. Yonkryon Tanguy. Noborging. Prorata Rose. Et course Vitage Bleu Clair. Je crois que cette fois, je vais avec le solo. J'ai bien aimé. C'est un peu con, je sais, mais j'ai bien aimé. Donc, ça sera à Nürburgring sur circuit de GP. Voilà, il pleut, ça sera pas du tout, je vois. Ah, ça va, en fait, c'est... Il y a pas mal de lignes droites. Putain, il y avait des personnes, ils ont quitté, c'est chiant, ça. Soit pas mal, j'attends encore pour charger, ça prend un peu de temps. J'avoue que ça prend un peu de temps pour charger. Ça, le sac, et j'ai pas.
Oh, bah, voilà. Bon, on y va. Début, pilotage, voilà. Oh bah putain, il y a des belles voitures, hein. On va voir comment elle amène. Oh bah putain, le bruit, je le kiffe déjà. Oh, oh oui, oui, oui. Oh la bande, la Bentley qui est devant moi là. Oh bah putain, bah c'est trop tard. Oh non, 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 mais non, putain, vous êtes en train de carrément détruire ma voiture là. Merci les gars. Nick, oh. Sérieux. C'était une bonne voiture. Il y a même pas 5 minutes, c'était une putain de voiture. Non, même pas 10 secondes, c'était une putain de voiture. Maintenant, elle est détruite. Hein. Voilà, je vais dépasser pas mal là. Ok, je vais dépasser 1. 2. Ah, voilà. En moins 2. Oh non, dégage devant moi, toi. Merci. C'est le problème, c'est qu'il pleut et tout ça, c'est chiant ça. Putain, mais la Lamborghini en or, elle est magnifique, hein. Ouais, sérieux. Regarde la bêtise que j'ai tapé avant. Putain, mais tu peux pas faire attention, toi. J'ai ça parce que c'est peut-être ma faute, mais bon. Putain, mais hey, je vous jure, les personnes qui adorent Forza, ne critiquez pas, je suis pas vraiment fort, mais voilà. Je crois que la seule que j'ai pas aimé, c'est la Porsche. Avec la Porsche, c'est... Non, j'ai pas trop kiffé. Genre, dans la paix, on devait appuyer... Oh putain, j'ai de la chatte. Avec, ouais, avec la Porsche, on a dû appuyer... On devait vraiment appuyer fort pour... dans la pédale et tout ça. Ça, j'ai pas aimé et tout, voilà. Même là, c'est mieux, quoi. C'est vraiment derrière moi là, en plus. Hein. Oh bah non, merde, eh merde, je veux pas te faire ça. Oh putain, je suis con, je suis dans la terre et tout, je suis con. C'est
C'est dommage qu'il n'y a pas de glaçon comme ça, je pourrais arriver. Je suis premier dans tous. Donc je m'en bats les couilles. J'ai gagné tous les courses, je n'ai que tout le monde. Il y avait quelqu'un qui avait une bonne Bentley. Non, voilà. C'est le 7ème. À chaque 17 Bentley, j'étais 3. Voilà. Je mets pas dedans, moi, c'est sûr. Maintenant, il va me dire d'acheter la voiture et tout ça. Alors que, non, je vais pas l'acheter, malheureusement. Ah bah ouais, bien sûr que je vais l'acheter. Non, je vais pas acheter, ça coûte cher et j'ai déjà utilisé pas mal d'argent pour le...